Bienvenue dans cette série de vidéos tuto sur la MPC Live. Nous allons voir ici le nouveau mode de lancement des clips au sein de la MPC Live. Ce mode offre une créativité immédiate pour le live ou bien pour l'enregistrement en lançant des boucles, des samples en temps réel, le tout appuyé du nouvel algorithme de time stretching également en temps réel. Pour accéder au mode clip dans la MPC Live, allez sur la page principale en appuyant sur Main et sélectionnez le mode en appuyant sur l'icône. Vous verrez les 16 pads se colorer en 4 couleurs, désignant 4 groupes regroupés en colonnes. Dans notre cas, nous avons donc en premier la batterie, puis la basse, les mélodies et les voix. Je peux lancer les 4 parties d'un seul coup en appuyant sur les 4 pads, c'est très créatif, voyons ce que ça donne. Vous pouvez ajuster le BPM en temps réel, le time stretching permettra de conserver la synchro de vos clips. L'assignation et le montage des clips dans la MPC Live sont rapides et efficaces. Appuyez sur l'icône d'édition, puis naviguez à travers la page d'édition du programme. C'est sur cette page que vous pouvez ajuster la quantification de lecture du programme en sélectionnant la durée en mesure. Ça détermine le moment de lecture des clips quand ils sont déclenchés. Dans l'onglet Pad, vous pouvez modifier chaque clip présent sur les pads en utilisant l'écran multitouch pour régler le point de départ ou le point de fin de chaque clip. Vous pouvez aussi faire appel au potentiomètre Q-Link pour ces opérations. Toujours sur cet écran, vous avez la fonction Reverse et le Pitch Shifting pour chacun de vos samples. Écoutons un peu.